Salut à toutes et tous, salut les petits gens, c'est ça, on se retrouve pour la suite de... Eh ben la Liga, les gars, nous voilà. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je ne suis pas assis au bon endroit, voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Bon, alors, aujourd'hui, on va s'occuper de l'Euroleague, du championnat et tous ces trucs habituels. Alors, on va voir tout de suite où ça en est en Ligue Europa. Enfin, Euroleague. Oups. Alors. Ah oui, c'est bon. On peut y aller. Quand tu veux. Voilà. Alors. Ah, oh, bah d'accord, ok. Ok, si tu veux, pourquoi pas. Ah, ouais, parce qu'ils nous ont demandé à ce que. Enfin, lui. Je sais pas si je demandais que j'augmente son salaire. Sangaré qui nous fait une petite crise. Alors, on va tout de suite le mettre à la place de William. Voilà. Bien. C'est pas ce que je voulais faire. Allez. Le jeu est un peu lent. Alors. Oh, c'est bon. Allez, on continue. Donc là, il va y avoir un match de championnat contre Ajaccio qu'on va bien sûr jouer. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ah, ok, bon, ça c'est fait. Ouais, ouais, bien sûr, un avenir dans ce club. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'équipe nationale. Alors, bien, on va voir si on peut changer quelques trucs. S'ils nous ont apporté des nouveaux joueurs, parce que notre gardien commence à faire un peu vieux. On va prendre par exemple son exemple à lui. Alors toi. Oh, toi t'es lent. Oh, toi t'es lent. Toi t'es lent. Pas grand chose d'intéressant pour l'instant. Ouais, il y a tout plein de croquimbi. Ok, bon bah y a pas grand chose, hein. On peut rien faire donc on continue. Hein. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ah oui, que je suis en train d'économiser pour acheter un Elgato pour pouvoir filmer la Xbox aussi. Donc bah pour le moment je l'ai pas donc je dois attendre. Je dois économiser encore un peu, beaucoup. Donc pour le moment on continue sur la Play. Bon, je dis pas que je vais faire une carrière sur l'Xbox, hein. C'est juste pour faire temps en temps des vidéos détente sur l'Xbox ou des jeux ou FIFA parce que je l'ai aussi ou Club Pro FIFA sur la Xbox et tout ça parce que bon bah voilà, il y a deux Club Pro, il y a celui de la PlayStation pour ceux qui ont la PlayStation et ceux pour ceux qui ont la Xbox. Donc n'hésitez pas pour ceux qui ont une Xbox 360 et vous avez FIFA 13. Si vous voulez aller dans un Club Pro, enfin mon Club Pro, n'hésitez pas, m'ajouter un ami et vous y allez, il est ouvert. Vous pouvez y jouer, vous enfin pour les abonnés tout ça, vous pouvez aller sur Xbox et de temps en temps je ferai un je passe de temps en temps sur l'Xbox pour jouer un peu, donc on pourra faire des matchs et il y aura bientôt, dès que j'aurai ce fameux Elgato, pourrai filmer la Xbox aussi. Voilà. Alors donc on va revenir au jeu. Je vais voir un petit peu s'il n'y a pas des joueurs, quelques joueurs fatigués. Ah si, Ginter, peut toujours pas, toujours blessé monsieur. Bon, on va laisser Ginter, hein, tant pis. Toi,
Ouais, aussi j'ai pas un collectif énorme. Pourtant ce Croc MB là, le MC, voilà, il a 4 étoiles. J'aurais dû le sélectionner, mais je le ferai pour la prochaine fois, je le sélectionnerai. Pour la prochaine fois qui les prochaines sélections, je le sélectionnerai. Donc il faut que je retienne que c'est C.CrocMB MC 16 ans. Voilà. Ok. Bon, ça, ok, pour le moment on peut pas faire grand chose. Donc ouais, je voulais regarder parce que quand j'ai envoyé la demande de contrat, parce qu'il me demandait d'avoir un peu plus d'argent, c'est compréhensible vu que c'est un bon gardien, un très bon gardien, et qu'on évolue, bah on commence à évoluer dans le haut niveau, donc il faut bah c'est un peu normal de le récompenser après ses bons services. Mais il a déjà 29 ans, donc je vais le garder cette saison plus la prochaine. Je pense le garder encore une ou deux saisons, et je changerai de goal pour un goal à son niveau, c'est-à-dire que je chercherai un goal jeune, mais avec 77 ou 78 ou 79 de général, ça dépend jusqu'à combien il va augmenter. Bien, allez, on est parti contre Ajaccio, on va aller jouer à Ajaccio. Le nom du stade d'Ajaccio, c'est quoi déjà? Je crois que c'est Coty quelque chose, François Coty, un truc comme ça. Je suis pas sûr. Je crois que c'est ça. René Coty, enfin au stade Coty, un truc comme ça. Mais je suis pas sûr. Après, je peux dire des bêtises. S'il y a quelqu'un qui est corse dans les abonnés, dites-le moi. Je ne sais point quel est le nom du stade d'Ajaccio. Je connais celui de Bastia, mais pas celui d'Ajaccio. D'accord, tu pouvais pas rentrer dans le pot, non? Sérieux. Allez. Boum. Oh là là. Ouais. Génial. Je suis trop fort. Allez. Oh là là. Oh le pingouin. Quand tu veux que tu t'arrêtes le ballon. Voilà. Bonne pointe. Oh putain. Mais sérieux, sérieux. Tu veux pas rentrer dans ce foutu tonneau, toi hein. Allez. Tous ensemble, tous ensemble. Eh. Eh. Eh ben non. Bon, laisse tomber. On réussira une prochaine fois. Bonjour. Allez, c'est parti. Merci à vous de nous accueillir. C'est un match de Ligue 1 qui nous attend et j'aurai le plaisir de vous le commenter avec Franck Sauzet. À l'occasion de ce match, nous retrouvons l'AS Monaco. Oh, la belle passe. Oh, le noob. En Coupe des Champions. Hop là. Beaucoup d'espoir déçu, notamment chez les supporters. Et l'arbitre de ce match, ce sera monsieur Fabrice Madoulé. Perazzi. Paul Bastien Lannes. Perazzi. Il se jette. Allez, peut-être une bonne occasion. Aïe aïe, oh bien. Oui, oh là. Ça va, ouais, tranquille. Qui obtient un corner. La défense qui récupère le ballon sur ce corner. Oh, pas facile. Oh, et s'il avait pas contré, je pense qu'elle était bien. Application dans la frappe. Ouais, corner pour les Monégasques. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Oh là là. Bien, bah pour l'instant ça va tranquille, hein. On fait quelques actions. Pour l'instant les Ajacciens ils font dodo. Bon, bah, c'est un match pour le moment qui va correctement. Et ça leur donne un bon ballon de contre. On va devoir protéger son ballon. C'est un bon ballon en très bonne position. Il faut qu'il centre. Et le ballon qui revient dans les pieds. Allez, de il sort. Bon, comment est-ce qu'on va goupiller ça? Fait plaisir à voir. Donc, bonne longue passe. Allez, la casette, quelque chose. La tête, non? Bon, ok, il a pas envie d'utiliser sa tête, la casette. Bon, ok, comme tu veux, hein, petit. C'est pas de ta faute. Enfin, si, c'est un peu de ta faute, mais bon. On va pas trop l'embêter, pauvre.
Allez. Peut-être la première action des Ajaxiens. Attention. Oh, oh, ok. Oh, oh, bah putain, quel arrêt clownesque de ce Basic. Donc, alors, on va essayer de choper ce ballon. Voilà. Hop. Il faut faire le bon choix, donner son ballon. Il a de soutien dans l'axe. Il vient en contact. L'adversaire qui me fait mentir à l'instant, grand classique. Il va pouvoir lancer le contre. Perazzi. Allez, tu vas me choper cette balle. Il peut aller au bout. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, pour les prochaines. Enfin, pour les prochaines vidéos, je veux dire que bon. La prochaine saison, c'est encore lointain. Mais si vous voulez commencer à me proposer des joueurs pas trop chers, n'hésitez pas, hein, je noterai sur mon calepin. Et je verrai ça dès le mercato prochain, dès le prochain mercato. Si on peut prendre un joueur ou deux. Voilà, vous me dites les joueurs pas trop chers, hein, qui évoluent bien, de bons joueurs avec au minimum 4 étoiles de gestes techniques. Si c'est un défenseur, bon ben vous laissez tomber, hein. Pour un défenseur, des étoiles de geste, ça sert à rien. Pour un défenseur, si on me propose un défenseur, c'est au moins qu'il soit marqué belle perspective d'avenir, ou gros potentiel, ou peut devenir spécial, des trucs comme ça. Voilà. Après, bon, pour les gardiens, ça je me démerde, hein, je me débrouille. Je connais pas beaucoup de gardiens assez puissants. Après, on peut avoir aussi la petite surprise de découvrir une future pépite des gardiens. Allez, sans... Oh non, shit, c'était pas loin. Oh oh oh, merci. Allez, la gars. Oh, putain, Ochoa. Tiens, Ochoa pourrait être une recrue sympa comme gardien. C'est pas un très très mauvais gardien. Il a un bon niveau. Son seul souci, c'est qu'il se couche. Enfin, c'est peut-être pas se coucher beaucoup. Il se couche très vite. Son souci, je crois que normalement, je crois que c'est sur les coups de pied arrêtés ou les corners pour sortir et tout ça, c'est pas sa tasse de thé. Mais sinon, c'est un très très bon gardien. Ouais, allez. Ouf. Oh, il y a main là, monsieur l'arbitre. Eh oui, monsieur l'arbitre. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit centre, ouais. Allez, un tout petit centre. Oh là. Oh, oh, c'était pas mal. Mais par contre sur sa ligne il est excellent, hein. Par exemple si sur un corner ou un coup franc il reste sur sa ligne plutôt un centre, parce qu'un coup franc on est obligé de rester sur sa ligne. Mais je veux dire sur un corner ou un coup franc corner comme j'ai fait là, s'il reste sur sa ligne il est pas mauvais, hein. Il fait de très très bons arrêts. Ah, encore une faute. Allez. Oh là, oh putain, j'ai fait ça un peu trop fort. Bien, bien, bien. Allez, on avance tranquille, hein, pépère. Ah, j'ai fait main. Main ou faute? Ah, main. Ok. No soucis, monsieur le commentateur. Allez, sans garer. Pique-nous une accélération digne d'une voiture de course. Bien. Allez, allez, Ferrari. Une petite Ferrari, frappe, attention à la casette! Oh là, la casette, qu'est-ce que t'as fait? Ouh, aïe, aïe. Oh, tiens, ça, il faudrait voir ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, mais qu'est-ce qu'il a manqué, là? Qu'est-ce que t'as manqué, petit? Alors, voici Sangaré qui est en train d'accélérer comme un malade. Il arrive comme un mouloud dans la défense. Va frapper. Hop. Alors, belle arrêt. Alors ça, c'est ce que fait généralement Ochoa, hein. Ou même certains goals acrobatiques, c'est ils font un peu l'arrêt handballesque. Voilà, l'arrêt handball, hop, genou resserré, limite à se péter la cheville. Alors là, qu'est-ce que t'as fait? Tête, oh, aïe 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 aïe, regarde-moi ça, on zoom. Oh là 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 là, mais il avait le but ouvert, allez, dans son sens, voilà, on se met dans son sens. Normalement, il peut mettre une tête droite. Mais là, il a trop laissé le ballon redescendre et donc il a été obligé de se coucher un peu et de faire une tête qui retombe. Alors Ochoa, bon, ok, hein. Bon, ok. Si tu veux, hein, Alexandre, c'est pas grave.
C'est pas grave. Allez, alors Raphaël Silva. Tiens. Je connaissais pas ce joueur, Raphaël Silva. Burgos. Allez. Oh, bien. Allez, sort. Un bon centre. Oh oui, qu'il est beau. Oh, qu'il était beau. Dommage, Sangaré. Il a fait ce qu'il a pu. Vu sa petite taille, il a fait ce qu'il a pu. C'était très, très bien. Benjamin André. Voilà. 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 Oh, ça, c'était très, très beau, ça aussi. Attention à Raphaël Silva. Hop là. Bien. Non, non, c'est fini, là. Bonne défense, là. Et l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Ah, dommage. On a bien joué la talonnade. Il est sur la trajectoire. Allez, Dorté. Oui. Oh, oh, c'est chaud. Oh, il est passé. Allez. Allez. Oh, oh là. Oh, c'est attends. Pour le défenseur. Bon, bon, ok. Ok, ok. Bah, c'est bien joué quand même. Hein. Le ballon, Ginter. Faut continuer. Oh, bien. Bonne interception. Et Maritano. Eh, raté. Allez. Hop. Superbe passe, attention. Oh là, bien. Hop. Ah, mince. Ah, ils défendent bien, ils défendent très très bien. Et ils apparemment ils procèdent par contre-attaque. C'est une technique classique. Enfin, classique, je veux dire, dans le sens où il faut avoir quand même une bonne défense pour faire ça. Et après, bien ressortir très rapidement pour pouvoir scotcher l'adversaire et l'empêcher de revenir. Allez, la casette, frappe. Et voilà, la casette a remis son pied en route. Ça y est. Voilà, tu vois, il s'est fait fusiller à beau pourtant. Boum. À beau pourtant. Oh là là, j'arrive jamais à dire ce foutu mot. Depuis que je suis petit, j'arrive pas à dire ce foutu mot. C'est à beau pourtant. Ah, bah, c'est devant la tronche du goal. Point du goal. Si quelqu'un peut me l'écrire dans les commentaires, comme ça au moins je vais essayer de le dire parce que c'est chaud. Ça fait longtemps que j'essaye, des années que j'essaye de dire ce mot et ça, j'arrive pas à le dire. Ça m'énerve. Tant pis. C'est pas grave. Bougours. Ça m'arrête. Apparemment, ils ont vendu Moutou. Parce que là, il joue pas. Il y est pas là. Attention, on peut embarquer le pied. Oh là là, Samaritano. Ouh, il était tout seul. Oh, le coquin. Il s'est fait oublier de la défense entière. Chut. C'est un truc de fou. Bien joué. Allez, Dorté, quelqu'un. Ah, oh, et ouais, mais s'il y a personne qui vient un peu l'aider, là, ça va pas le faire. Oh. Ouais, il joue bien, là. Oh là. André, ah non, ça doit pas être le même André parce que il y a plusieurs André. Ah, Fatih, ouais, Fatih qui rentre. Lol. Ah ouais, c'est vrai, putain, c'est l'heure des changements, faudrait que je les fasse après. Allez, sort. Hop. On repique ici. Change de côté. Oh là, la passe un peu hasardeuse. J'ai fait n'importe quoi sur ce coup là. Oh putain, André il court vite hein. Ah, ça y est. Alors, c'est changement. Voilà, gestion. Alors. Ah, bah au campus. On fait rentrer Dirar. La casette, on va faire rentrer William. Et Mesquites, tu vas prendre la place de Drage. Voilà. On peut y aller. On peut s'en saisir, ça sort. 8 buts, toute compétition pour la casette. Hein. C'est pas mauvais, c'est un bon score. C'est un bon score pour le moment. Alors, ouais, je vous parlais de joueurs à me proposer. Vous me proposez ce que vous voulez. Hein, de défenseur, de latéral droit, gauche, milieu, attaquant. Pour voir si je peux modifier certains trucs. Par exemple, vendre William ou Sangaré, changer quelques trucs.
pour modifier certains trucs. Allez, attention. Ah yep. Oh putain, il a failli la reprendre. Oh, c'est la première fois que j'arrive à le faire. Ah bah dis donc, j'ai pas fait exprès, hein. Je vous jure, j'ai fait n'importe quoi et ça a marché pour une fois. Ah bah putain. Oh, la passe un peu trop longue pour Duarte. Attention. Ah. Oh bah non. Enfin après, j'ai quand même quelques joueurs encore dans mon truc comme Scott Sinclair. Attendez deux secondes, je dois répondre à un message. Voilà, c'est fait. Excusez-moi. Allez, on reprend. Alors. Oh putain, ils reprennent bien, dis donc. Oh, oh putain. Allez. Ah. Allez. Allez, sans carré. Oui, tu l'as. Tu m'as frappé. Pan. Et c'est sur autre choix. C'est un corner. Pourquoi je fais start, moi? Laisse tomber. Allez. Oh non. Et non. Putain. La 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 la. Mais fais chier. J'adore les bugs PlayStation. Je kiffe. Je kiffe. Bon, bah, par la force des choses, c'est la fin de la vidéo. Bon, bah, je ferai le match, je referai le match hors caméra. Hein, donc, bien sûr, sûrement le score aura changé d'ici là. Donc, bon, ben, bah, à toutes pour la suite de nos aventures. Hein, désolé, je peux rien faire. Hein, vous pouvez entendre les boutons. Et pourtant. Ça bouge pas. Voilà. Bon bah allez, à plus tard les enfants. N'oubliez pas de vous abonner et toute la clique habituelle. Ciao.